Depuis le 22 février et jusqu'au 5 mars, 37 garçons et filles participent aux accueils de loisirs proposés par les Franca. Deux semaines durant, ils sont partis à la découverte du Canada, avec de la gastronomie et la célèbre poutine, quasiment le plat national du Québec, mais également une course au trésor sur ces vastes étendues enneigées, et puis du sport, du bobsleigh, avec du snowboard, avec du hockey, alors bien sûr adapté aux circonstances, adapté aux locaux, comme ici dans la cour du groupe scolaire Jean Zay. Mais il est intéressant et agréable de voir combien les enfants et les ados ont envie de se retrouver, ont envie de se dépenser, ont envie de jouer et de faire en sorte que malgré le masque, ils en oublient la pandémie, ils en oublient le confinement. Nous devons nous offrir à ces enfants, à nos enfants, à vos enfants, l'occasion de se dépayser, l'occasion de se retrouver. Et c'est bien le but de ces accueils de loisirs qui, 15 jours durant, ajoutent de la vie à la vie.